mon panier, le panier de Nono, et le panier de mon fils. Il surkiffe, il me prend tout et n'importe quoi, il le met dans son panier. Allez, Kenan, c'est bon. Oui, ça pique, maman, on a terminé. De rentrer, du coup, je vais attaquer le repas. J'ai commandé des cuisses de poulet et je vous montre après ce que ça va donner. Voilà, c'est prêt. Donc, j'ai fait une bonne marmite de poulet et haricots verts en sauce un peu jaune. J'ai des petites frites qui sont en train de cuire à côté et il reste du riz turc d'hier, donc on va manger ça avec. Et maintenant, je nous sers à nous. Et j'ai fait un bon jus avec. J'ai un moment de nous prendre du pain. Comme ça, avec ce jus-là, les haricots verts, la sauce, je me régale. J'aime vraiment trop. Petite frite aussi maison. Je veux ça. Tu veux manger? Oui. Tu manges quoi? Je mange les légumes. Il est bon? Tu te régales? Non, mais il gagne des... Non, mon Kenji. Juste du raisin. Tu penses que tu peux m'en donner un? Oh, mon cœur. Merci. Good. So good. Il va aller aux toilettes? Faire pipi? It's delicious. On finit ça. Et après, on va au... Pas au fauteuil. On va au dos. Voilà ma fille. Avec les câlins et les peluches. Ok bébé? Good morning, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi je vais franchement super bien. Parce que je prends soin de moi et ça me fait un bien fou, vous pouvez pas vous imaginer. Donc hier soir déjà je me suis fait, d'ailleurs on voit un peu des rougeurs ici, un gommage. J'ai pris le gant, j'ai gommé tout mon visage et tout mon corps. Donc je me suis fait une petite rougeur ici, j'ai un peu trop frotté. Mais sinon, ma peau, regardez comme elle est glow, comme elle est nickel. Je me suis bien hydratée, ça fait un bien fou. Et ça, je ne le fais pas souvent. Ou alors, je le fais très, très vite fait. Là, hier, j'ai pris vraiment 2 heures pour moi. Je me suis mis du savon noir et tout. Enfin bref, magnifique. Quand j'ai fini de faire le repas d'hier soir, où Gigi, encore une fois, vous avez envie de la mordre, de la croquer, de lui faire plein de bisous. Chaque fois que je vous la montre, c'était après, du coup, notre repas d'hier. Là, je me suis fait un soin profond à mes cheveux. Je ne vais pas les lisser, je vais les laisser telles qu'ils sont. J'ai fait aussi un bon soin hydratant pour mon visage. Et la beauté, ce n'est pas que physiquement, mais c'est aussi à l'intérieur. Mon fameux détox là, que j'ai acheté hier, bon, qui a l'air bien dégueu, parce qu'il y a du chou dedans, je vous ai dit. Hein. Il y a juste de la pomme verte, mais sinon c'est épinards, salade, concombre, céleri et gingembre. Mais toutes celles qui ont une belle peau, des beaux cheveux et qui sont on fleek, quoi, et en bonne santé, elles boivent ça. Donc pourquoi pas? Du coup, ben, on va voir le goût déjà. Et ben, c'est excellent. C'est trop bon. Et waouh! Je vais vraiment devenir une clean girl. Clean girl, genre de healthy, skincare et tout ça. C'est trop bon. En fait, ça goûte bien du citron alors qu'il n'y a pas de citron. Ben, écoutez, je sens l'épinard aussi. Je pense que je vais boire la moitié parce que ça fait un peu bézef quand même, et je vais me garder l'autre moitié pour demain parce que ça va jusqu'au 27, donc ça va. Mais j'aurais pas cru que j'allais. Et vous pouvez le faire à la maison si vous avez une centrifugeuse. Et ça, je vois que des vidéos justement de filles qui nous montrent justement les bienfaits d'une belle peau, de beaux cheveux, de beaux ongles, d'un bon métabolisme, parce que bon, j'essaie de m'y mettre là. C'est vraiment l'objectif encore du glow up. C'est de m'alimenter correctement. Et ça, j'ai décidé d'en boire tous les jours. Pas qu'à celui-là. J'ai acheté après des petits shots de gingembre, citron, des petits shots aussi de... comment ça s'appelle? Curcuma. Plein de bonnes choses, quoi. Et en fait, je crois que je vais le finir. Parce que c'est frais et ça passe trop bien. Après, écoutez, je vais aller faire la corvée qui me saoule le plus au monde, c'est le linge. On est ensemble. Je sais que vous détestez tout autant que moi. Je finis mon linge. Je vais m'arranger, je vais mettre un peu on fleek. Parce que voilà, dégaine comme ça, ça va un petit peu. Mais voilà, vite fait. Et c'est journée aujourd'hui en amoureux. Les petits sont à l'école. Écoutez, on profite. Voilà, on va profiter avec Nono. Et je vous dis. Voilà les hommes, comment ils pensent à leur peau. Et voilà.
voilà, nous les femmes, comment on pense à notre peau. Ça tue. C'est l'heure de manger. Du coup, pour moi, j'ai un carpaccio bœuf truffe, une salade tomate burrata pour Nono avec des crispy calamari.